Salut tout le monde, ici c'est Segalix sur Red Dead Redemption 2. Donc nous voici partis pour le grand déménagement. On quitte la neige, on déménage le camp au complet. Donc on va avoir droit à de nouveaux décors. Eh ben, faut traverser la rivière. Sérieux? Eh ben, on n'aura pas été bien loin. Eh ouais, c'est costaud les gars. Soulève la roue. Ok. Ouais, c'est tout? Screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left inland. So. Yes. Au sol, étendue, normal. C'est quoi l'étendue? Ok. Ouais, normal, c'est pas mal. Justement, par rapport à la carte, on se situe où? Ça c'est quoi? C'est notre nouveau. Ouais. C'est là on se dirige. Notre campement. Notre campement, notre campement. Ouais, elle était là, voilà. Ok. Ok, nickel. Immense cette carte. Immense. Allez, on est parti. Ça fait du bien de d'avoir un peu de verdure. Father was a colored man.
told me he lived with our people for a while. A number of freemen did. When we were forced to move from our lands, the three of us fled. Hop là. C'est quoi ça, des écureuils? Ah ouais, nickel. Ah ouais, ils sont chouettes. Ok, donc ça va faire la façon Zelda Breath of the Wild. Il faudra s'habiller en conséquence de l'endroit. Il fait chaud, il fait froid. Ça va jouer. Cool. Ah, une biche là-bas. Yeah, oh là là, magnifique, magnifique. Le jeu est tellement magnifique, les décors sont tellement magnifiques, c'est compliqué de lire, de regarder, de se diriger. Ok. Encyclopédie mise à jour. Animaux, équipements, poissons, bandes, plantes. Ok. Bon, je vais faire un essai. Je peux pas descendre. Ah non, voilà, faut terminer la cinématique, il veut pas que je descende. Ok, bon. Je voulais regarder si je pouvais ramasser une plante. Le jeu n'est pas d'accord avec moi. Pas de soucis. Bon, on peut se rendre compte que déjà le monde est beaucoup plus vivant, hein. On croise énormément de bestioles, donc ça promet pour les futures parties de chasse. On avait des biches, cerfs. Ça grouille de biches, hein. Il est canon ce jeu. Ah, c'est marrant. Avec le bruit, on sent que
que le sol est beaucoup plus détrempé. Ah, je suis pas au bon endroit là. Bon, excusez-moi les mecs. Je prends un petit raccourci que ça. Ouais, ça passe. Ouais, ben on va pas être bien là. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. Up for robbing banks to usury? Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe. Far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. And get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town down the track, name of Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Ok, donc on peut dormir, se raser, changer de vêtements dans notre tente. Donc visiblement. À chaque fois que l'on gagnera de l'argent, il faudra en donner, en restituer une partie au campement. Ok. Quelques semaines plus tard. Thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that.
a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Encyclopédie, mise à jour, appareil photo. Le camp de votre bande est indiqué, ok. Encyclopédie, ok. Alors. Et mec, je l'ai regardé la carte, donc tu vas patienter 2 minutes. Ok, le campement. Donc l'oncle. Ok, donc là on va nous donner une mission. Le cheval. Ok. Voilà, j'ai cherché le boucher. Ok, je vais essayer d'aller chercher un petit peu à manger après. Bon, on va écouter ce que va nous dire notre pote. Ok, donc ça devient un peu plus complet là, c'est bon, au niveau de la gestion du camp, la gestion du personnage. Bon les gens, bientôt 20 minutes la vidéo, on va arrêter ici pour celle-ci et puis on va attaquer les bonnes choses maintenant. Allez, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, un petit commentaire et partager à max, ça serait cool. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Je vous dis ciao bye bye. À bientôt pour la suite, c'était Segalix.